Mon nom c'est Pierrette Désy. Je suis née à Québec, la ville de Québec. Et j'habitais la rue de Montmorency, qui aujourd'hui s'appelle rue Barin, qui donne sur la rue Hollande. Donc mon enfance s'est passée là. Je suis née à l'église, à l'hôpital du Saint-Sacrement, baptisée à l'église du Saint-Sacrement. Je suis allée à l'école Chemin Sainte-Foy. Donc, je tournais dans la religion, même si aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est le cas. Et cette enfance-là, je fais toujours partie d'une grosse famille. Donc, j'avais 7 frères et sœurs, dont certains sont décédés. Et tous étaient à Québec, tous sont presque à Québec encore aujourd'hui. Sauf quelques-uns qui sont soit à Toronto, enfin de neveux et de nièces en France aussi. J'ai un grand nombre de neveux et de nièces, 27 neveux et nièces. Donc je viens d'une famille qui est comme un clan, mais qui en réalité n'est pas un clan parce que c'est une famille qui est quand même un peu disjonctée, disons. Et mes parents, c'est un cas spécial puisque mon père est à l'origine de Lanaudière et des ancêtres qui étaient établis à Champlain. Et des ancêtres donc, qui sont venus de Rouen au XVIIe siècle, qui ont accompagné Cavelier de la Salle, et qui sont allés, je ne sais pas s'ils sont allés jusqu'au Mississippi, je n'ai pas de détails parce que c'était des aides obscures, c'était des marins obscurs, donc n'avaient pas de réputation. Un est revenu à Champlain, et le deuxième, Charles, est resté à Michilimackinac. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des Désy, pourtant c'est une petite branche, qui sont la plupart à Sioux City et en Iowa. Et je pense que c'est en Iowa. Et d'autres, donc les Désy qui sont de Québec, de Montréal, de Lanaudière. D'ailleurs, je dois mentionner ici quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai deux papiers. Je vous dirai si je dis des bêtises. Hein. Donc, c'est La Salle qui va faire une concession à Michel Désy à Fort Frontenac, qui est aujourd'hui Kingston. Et une autre concession qui est donnée par Tonti à Mackinac. Donc, quelque part, les Désy ont eu des concessions par la grâce de Louis XIV, concession qui est aujourd'hui disparue. Donc ça prouve qu'ils ont voyagé avec Cavelier de la Salle à l'époque. Ma mère, de son côté, vient du Cap-Breton. Elle est donc acadienne et ses ancêtres, donc qui sont mes ancêtres, sont partis de Bordeaux. Antoine, donc dit Montbourquet, est parti de Bordeaux pour s'établir à Louisbourg, la forteresse de Louisbourg, qui avait été construite sur les plans de Vauban, et qui a été, comme on le sait dans l'histoire, prise par les Anglais et détruite par la suite, et reconstruite par Parc Canada. Après la chute de Louisbourg, je pense que c'est en 1756 que lui, en tout cas, est parti, Antoine, s'est établi dans ce petit village de l'île du Cap-Breton qui s'appelle l'Ardoise. Et au Cap-Breton, donc, il s'est marié évidemment, avec une jeune fille qui s'appelait Simpson ou Samson, on ne sait plus trop, c'était francophone ou irlandaise, donc il y a une légende irlandaise dans la famille, et ils ont eu des enfants, et ce village de l'Ardoise est contigu à une réserve Micmac qui s'appelle Chapel Island. Moi, je suis allée au Cap-Breton, j'ai donc visité des vieux parents de ma mère qui est encore vivant à l'époque. Et je suis aussi allée à Chapel Island voir les Micmacs et visiter aussi la fameuse île Sainte-Anne, qui est une île sacrée de pèlerinage pour Sainte-Anne, qui est très importante chez les autochtones aujourd'hui. Soit Sainte-Anne-de-Beaupré, soit Sainte-Anne au Cap-Breton, au lac Brador, soit Sainte-Anne en Alberta. Ça, c'était
à l'époque de la pieusité des gens, à l'époque des missionnaires qui avaient établi ces centres de Sainte-Anne, puisque Sainte-Anne est une grand-mère et que le symbole de la grand-mère chez les autochtones est extrêmement important. Je reviens donc à Chapel Island, où je me suis déplacée, j'ai demandé à un représentant du conseil de bande qui m'avait invité à visiter l'île, etc., si de son avis il y avait eu des mariages entre les Mobourquais ou Mobourquettes et les Micmac. Alors il m'a dit absolument, absolutely. Et quand je suis retournée à l'Ardoise, donc qui est tout à côté, qui est limitrophe, j'ai rencontré des vieux cousins de ma mère, un qui s'appelle Cornelius Aimé, et je leur ai demandé s'il y avait eu des échanges, des mariages avec les Micmac. Alors tous les deux sont assis sur la galerie, comme on dit, dans leur chaise berçante, et puis ils répondent, en acadien, je croyons bien que non. Ça voulait dire que, donc en quelque sorte, pour les Micmac, on avait épousé des Mobourquais, mais les Mobourquais n'avaient pas épousé des Micmac. Alors qu'aujourd'hui, cette année, c'était à notre époque, ce serait avec grande fierté qu'on dirait absolument nous avons épousé des Micmac. Il montre en quelque sorte l'évolution de la pensée des Blancs par rapport aux Autochtones et inversement. Du côté de mon père, donc mon père pour les Autochtones, je ne sais pas, mais ce que je sais en revanche, c'est que ce sont des histoires que mes frères en particulier m'ont racontées il y a longtemps, mais que j'ai retenues, c'est que mon père est parti dans l'Ouest, est parti en Alberta, où il était assistant gérant de la banque d'Hochelaga, qui n'existe plus aujourd'hui. Et ma mère, de son côté, est partie du Cap-Breton pour aller en Alberta. Et elle enseignait au lac Labiche pendant un temps. Au Métis, il y avait aussi des Autochtones, des Cris. Mais elle a aussi vécu plus au sud, un endroit qui est presque à la frontière du Dakota. Comment ça s'appelle quelque chose, j'oublie le nom en ce moment. Mais en tout cas, j'ai une photo d'elle dans une réserve sous Cree. Enfin, à l'époque, il y avait des Sioux qui étaient du côté de l'Alberta et même de la Saskatchewan, en train de boire une bière. Alors je me dis, ma mère qui est en train de boire une bière dans une réserve Sioux, alors ça, pour moi, ça dépasse l'entendement, mais l'époque le voulait ainsi par rapport à certains dérèglements des mœurs qu'on pourrait accuser d'être aujourd'hui le cas et ce qui n'était pas le cas autrefois. Donc mon père et ma mère se sont rencontrés, se sont mariés là-bas, ont eu des enfants et... C'est ça. Ont eu des enfants et mon père, lui, étant assistant ou gérant d'une banque, était chargé... C'est ce qu'on appelle les blobs dans les blobs dans les fils. C'est fait des crises. Alors, était chargé, d'après mon frère, d'apporter l'argent des traités à certains groupes indiens. Et mon frère me racontait que c'était lui qui apportait l'argent des traités, qui était quelques sous, hein, c'était des cacahuètes, hein, c'était pas beaucoup d'argent, aux Atsina, au gros ventre. Au Manitoba, pardon, en Alberta aussi, Saskatchewan. Et un jour, me raconte-t-on qu'on lui aurait demandé de voir cet argent, où il prenait cet argent. Alors lui, il était à cheval, j'ai même une photo de mon père à cheval qui se promène donc dans les plaines et qui avait invité quelques personnes à Tsina pour venir à Edmonton, où il avait ouvert le coffre, il a dit « c'est là que je prends l'argent », etc. Parce qu'il y avait cette sorte de bizarrerie de quelques dollars, parce qu'on sait que les traités n'attribuaient que quelques dollars aux tribus, aux bandes indiennes. Donc, toutes ces histoires d'Indiens, d'Autochtones, quand j'étais petite, mon père aussi m'avait déjà parlé de bisons, il y avait encore des bisons, il y a encore des bisons aujourd'hui pour qui va dans l'Ouest de toute façon, même s'il y en a moins qu'au 19e siècle. Et me parlait aussi des pawas où il assistait, où on dansait, des échanges et tout. Et ma mère aussi, du fait qu'elle était acadienne, qu'elle enseignait aux Cris, aux Métis et aussi aux Canadiens français là-bas. Mais
Elle enseignait en anglais parce qu'à l'époque, il était interdit de parler français. De la même manière qu'on interdisait aux autochtones de parler leur langue, on interdisait aussi aux Canadiens français. Évidemment, le résultat n'est pas le même, on est bien d'accord par rapport aux pensionnats autochtones, la question n'est pas là, mais il y avait quand même des modifications, des interdits qui existaient parce qu'il fallait que ce soit l'anglais qui prédomine, comme il fallait que ce soit l'agriculture chez les Indiens des plaines, des chasseurs prédomine, etc. Donc des formes d'interdits qui ont fait beaucoup de victimes pendant très longtemps, parce que les histoires dont je parle, elles se passent, dans le cas de mes parents, au début 20e, mais disons au tiers du 20e siècle. Donc ça existait encore de manière très forte. Ce qui fait que petite, à la maison, j'entendais des histoires d'Indiens, des histoires d'Indiennes, des histoires de Pawa, de danse, etc., et que je savais que la réserve des Micmac, Chapel Island, était limitrophe à l'Ardois. Donc tout ça était très, très, très fort dans mon imaginaire. Et très souvent, ma mère avait ses sœurs vivaient à New York, ainsi que sa mère, parce qu'ils avaient immigré, comme ils disaient au Cap-Breton, en Amérique. Donc, ils vivaient à New York. Donc, ma mère, très souvent, prenait le train, le bus pour aller voir ses sœurs à New York. Elle réapparaissait quelque temps plus tard avec quelques cadeaux. Et alors, dans mon imaginaire, je me demandais toujours qu'est-ce qu'elle pouvait faire, où elle pouvait aller. Et il y avait toujours une forme de fantasme d'Indien qui se formait dans ma tête. Ce qu'on appelle chez Freud... Le roman familial, tout le monde a entendu parler comment les enfants inventent des histoires qui sont plus intéressantes que la leur, en quelque sorte. Alors, j'avais imaginé un roman familial. Donc, j'arrête là parce que ma mère va mourir très vite, mon père se remarie très vite, et moi, je me retrouve au pensionnat. Donc, j'ai fait plusieurs pensionnats dans la région de Québec, à partir de l'âge de 9 ans, et on me mettait à la porte au bout d'un certain temps, donc je retournais dans un autre pensionnat. Et d'un pensionnat à l'autre, il a bien fallu quitter l'école, et puis je suis rentrée au collège de Bellevue, donc là c'était différent. Et après ça, donc je suis allée au département de géographie de l'Université Laval. J'avais très envie d'étudier la géographie, parce que je trouvais que l'histoire de la Terre, c'est passionnant, et la géologie me passionnait, je trouvais ça extrêmement intéressant, la géographie humaine, mais il y avait quelque chose dans l'espace géographique, dans la territorialité, que je trouvais extrêmement attrayante, et aussi le côté scientifique, en quelque sorte, de la chose. Mais il faut dire aussi qu'à l'époque, donc là je suis dans les débuts, tout début des années 60, l'anthropologie telle qu'elle n'est telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'existait pas. Il y avait quand même à l'Université Laval quelqu'un de très important, comme Marc-Adélard Tremblay, etc. Mais c'était d'abord un département de sociologie. Avant d'être un département d'anthropologie, il y avait déjà, à Montréal, un département d'anthropologie. Quoi qu'il en soit, je suis donc entrée en géographie, avec toujours dans la perspective quelque part que je pourrais un jour aller voir des autochtones moi-même, sans passer par le roman familial. Alors ce qui est important aussi à dire, c'est que quand on est pensionnaire, on rencontre toutes sortes de monde et qu'on se fait des amis pour la vie. Alors j'étais pensionnaire pendant quelques temps au couvent de Saint-Roch, qui n'existe plus d'ailleurs, qui a été, je ne sais pas ce qu'on en a fait, en face de l'église Saint-Roch, où il y avait des petites jeunes filles comme moi, avec qui je suis restée très amie. Je ne dirais pas non, là, la question n'est pas là, mais la même chose se passait d'un endroit à l'autre, et on trouvait une forme de solidarité du fait qu'on était isolés, parce qu'à l'époque, en tout cas moi dans mon cas, on ne sortait pas. Donc on était tout le temps pensionnaire, on allait à l'église, et quand je suis sortie du couvent donc pensionnaire, je me suis dit que j'étais allée à l'église une fois pour tout le restant de ma vie. C'était terminé. Bon, voilà, c'est tout. Et donc, je reviens donc à mes cours au département de géographie que j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais ça très intéressant. Il y a une formation scientifique là-dedans.
Mais ce que je voulais, dans le fond, c'était faire de l'anthropologie, de l'ethnologie, d'anthropologie culturelle, et aussi de la géographie humaine. Donc j'ai décidé de faire une maîtrise en géographie humaine. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, dans le couloir, il y avait un papier d'un monsieur qui cherchait un assistant pour aller à Schaefferville. Ce monsieur s'appelait Alan Cook, qui a fait une grande thèse en géographie à Cambridge, en Angleterre, et qui est aujourd'hui disparu, et qui était lui-même assistant du docteur Blomberg. Baruch Blomberg, qui a eu d'ailleurs le prix Nobel de médecine par la suite pour avoir découvert un vaccin contre l'hépatite B, mais il a découvert un élément essentiel dans les populations autochtones, chez les Naskapi, les Inuits, les aborigènes australiens et d'autres. Bon, je n'ai pas travaillé là-dedans, c'était Alan Cook qui travaillait là-dedans, mais il cherchait, lui, une assistante de l'assistant. Donc j'ai tout de suite écrit à Dartmouth College, où il habitait, et je suis allée là-bas, et là j'ai commencé à faire des recherches aux archives, Viljamur Stefansson, j'ai commencé à me familiariser en quelque sorte avec tout ce qui était la littérature, si vous voulez, anthropologique, nordique, parce que ça, le Nord, pour ceux qui connaissent le Nord, je pense que la passion qui va se dessiner une fois qu'on est dans le Nord, elle est absolument insatiable. C'est quasiment impossible de retrouver ces impressions fabuleuses qu'on a quand on est là-bas. Mais en tout cas, c'est, à chaque fois que je vois des photos, ou même mes photos à moi, je reste absolument fascinée par cette beauté sauvage, là, dans le sens littéral du terme, selva, quoi, selvagium, la forêt, ou la toundra, etc. Donc, la taïga plutôt. Donc, je suis là-bas, je discute avec Alan, sa femme et tout. Et puis, je fais mes recherches et je rentre à Québec. Je reçois à l'époque une petite subvention parce que le centre d'études nordiques qui avait été créé par Louis-Edmond Hamelin commençait. Donc, j'ai reçu une petite subvention pour me... Il m'a dit « Débrouille-toi avec ça ». Bon, ben alors je me suis débrouillée avec ça et j'ai pris moi-même l'avion pour aller à Schaefferville. Mais toute seule, donc je devais rencontrer Alan plus tard. Je n'étais pas associée au docteur Blomberg, mais c'était quand même intéressant, etc. Et quand je suis arrivée là-bas, les autochtones, donc les Inuits, on disait montagnais à l'époque, les Inuits et les Naskapi habitaient au lac John, qui était à l'extérieur de Schaefferville, de la ville minière de Schaefferville. Il fallait à peu près peut-être 2-3 kilomètres de là. Et d'un côté, j'ai des photos aussi des maisons Naskapi, des photos aériennes qu'on pourra voir. Donc il y avait d'un côté les Naskapi dans des nouvelles maisons qui avaient été construites par les affaires indiennes et du Nord canadien. De l'autre côté, des cabanes dans lesquelles vivaient les Inuits parce que les affaires indiennes prétendaient que c'était pas leur site, qu'ils venaient plutôt de cette île, de Maniutenam, de Ouachat. On pourra revenir sur cette histoire-là, c'est intéressant. Donc j'arrive là toute seule, j'avais mon sac à dos, j'ai toujours eu l'esprit aventurier, et puis une confiance aussi en quelque sorte aux autres. J'avais confiance aux autres, je ne sais pas pourquoi, mais confiance aux autres. Donc j'arrive là-bas et je vois le père Cyr, qui était le missionnaire OMI, des Oblats de Marie Immaculée, qui était en train de travailler le jardin. C'était un monsieur très sympathique, qui était en plus indépendantiste. Alors, il était très articulé, c'était pas un missionnaire mitigé, là, lui, un peu poisseux, faut pas dire des choses comme ça, c'est pas gentil. En tout cas, voilà. Alors, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Alors, je lui dis que j'étais là parce que ce que je voulais faire, donc, voir les Inuits et tout. Alors, il m'a fait rencontrer, il m'a d'ailleurs commencé par m'installer dans une petite chambre du sous-sol de son église, et puis il m'a présenté à des familles Inuits, dont deux familles principales qui ont marqué ma vie pour toujours, les Saint-Ange et les Volants. Donc, par l'entremise de Marie Saint-Ange et de Jérôme, son mari, et puis de Mnemnem, Madame Volant, donc Philomène Volant et son mari. Oui, son nom, ça me reviendra.
et sont des familles en quelque sorte qui m'ont adopté entre guillemets, une forme, j'ai trouvé une forme d'affection, je ne pensais pas que ça existait à ce point-là, un attachement. Donc j'ai commencé donc à vivre, je vivais aussi chez les Saint-Ange qui avait déjà trois jeunes filles et on dormait les trois dans le même lit, enfin les quatre dans le même lit à certaines occasions. Et j'ai aussi évidemment les volants qui m'ont accueilli et d'autres familles. Mais disons, ce sont les deux familles principales pour lesquelles j'ai formé des attachements où moi, et l'inverse aussi, mais en tout cas de mon côté, je peux l'affirmer, j'ai formé de très très forts attachements à ces deux familles par la façon dont tout à coup j'étais éduquée, j'apprenais des choses parce qu'on pense que quand on va sur le terrain, qu'on va apprendre aux autres, on sait très bien que ce sont les autres qui nous apprennent plein de choses, qu'on a vraiment les oreilles ouvertes, les yeux ouverts et tout. Donc c'était l'été 62, c'est invraisemblable, mais c'est en allant dans un petit magasin de Shefferville un samedi après-midi que j'ai appris la mort de Marilyn Monroe. C'est bizarre quand même. Moi, je suis à Shefferville, une jeune fille à Shefferville, et puis tout à coup, je vois que Marilyn Monroe est morte. Ça m'est resté comme ça, attaché dans le cerveau, cette histoire-là. Alors, sur les entrefaites aussi, Alan Cook est arrivé, le docteur Bloomberg avec des assistants, et eux, ce qu'ils faisaient, donc, ils faisaient des prises de sang, etc. Mais ça s'est quand même bien passé, et je dois dire que ça n'a rien à voir avec les scandales qu'on a pu découvrir par la suite chez les nanomamies. C'est tout à fait autre chose, on ne va pas s'attarder sur ça, tout à fait autre chose, d'autant plus que grâce à ses recherches, Blomberg a découvert le vaccin contre l'hépatite B, donc c'est quand même capital. Mais moi, je ne vais pas raconter que j'étais mêlée à ça, parce que je n'étais pas, parce que ça aurait pu, si j'avais été carriériste, peut-être je me serais immiscée de façon plus forte, plus avant, pour mettre ça dans quelque sorte. Je sais pas, je dis des bêtises, là. Je dis souvent des bêtises. C'est pour ça que tout à l'heure, je posais la question, parce que les autres disent pas de bêtises, moi, j'arrête pas de dire des bêtises. Voilà. Donc, en quelque sorte, j'étais pas carriériste beaucoup, j'étais plus du côté de l'aventure, de la découverte. Mais la carrière, pour moi, c'était pas quelque chose qui existait, je voyais pas. Je trouvais que c'est une forme de petite bourgeoisie qu'il fallait rejeter, qu'on retrouvera plus tard. Donc, je dois dire qu'une fois que j'étais, à l'époque où j'étais à Québec, dans les années 60, comme ça, il y a deux personnes qui ont été, je ne parle pas dans ma famille, oui, je m'en ai aidé là, je ne parle pas de ma famille, je parle des gens qui ont joué un rôle dans ma vie qui était important, un rôle scientifique ou un rôle intellectuel. Le premier, c'était Jacques Rousseau. Jacques Rousseau, qui était biologiste, qui était un savant, un encyclopédiste, et qui était rentré au Centre d'études nordiques, etc., et qui m'a prise sous son aile par ses encouragements. C'est grâce à lui, d'ailleurs, que j'ai acquis cette magnifique peinture de Morisseau, que vous voyez là-bas, « Ours sur briques rouges », parce qu'il m'avait dit de « Viens, il y avait une exposition au musée à Québec ». Et puis, etc. Donc, on découvrait un monde, en quelque sorte, avec des gens qui étaient savants. Puis, une autre personne aussi qui a joué un rôle important dans ma vie, c'est Jeanne Lapointe, qui était de la commission parents, là, qui était professeure de lettres à l'Université Laval, qui, elle aussi, m'a beaucoup prise sous son aile par rapport à tout ce qui était intellectuel. Moi, je lisais déjà beaucoup, j'avais toujours beaucoup lu, même toute petite, j'ai toujours beaucoup lu. Mais elle m'encourageait beaucoup, elle me passait plein de bouquins de littérature et tout. Et donc quand j'ai fait une demande pour une bourse d'études pour aller à Paris, parce qu'après ça, moi je voulais tout de suite aller à Paris, je voulais quitter Québec, je voulais tout de suite aller en France, c'était comme ça, décidé d'aller à Paris. Mais il fallait des sous que je n'avais pas, et j'ai posé ma candidature au Conseil des arts d'Ottawa à l'époque, et grâce à elle, à Jeanne Lapointe, j'ai eu la bourse d'études. Aux grandes dames d'ailleurs des professeurs du département de géographie qui avaient déjà nominé quelqu'un d'autre, et qui était très fâché parce que c'était moi qui avais eu la bourse d'études déjà. C'est genre sexiste à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui, etc.
Donc, je suis partie à Paris sur une bourse qui était d'études qui n'était pas très élevée, mais j'habitais la cité universitaire. Alors, la cité universitaire, j'habitais la maison du Brésil, qui était une maison qui était sur les plans de Le Corbusier d'Acosta, qui était un endroit absolument magnifique, où j'ai connu aussi beaucoup de Brésiliens. Et je me suis donc présentée au Musée de l'Homme. Je dois dire que de Québec, je connaissais Lévi-Strauss, mais Lévi-Strauss, avec la pensée sauvage, tout ça, ça m'impressionnait trop. Puis j'avais lu les bouquins de Le Roi Gourand qui étaient au musée de l'Homme, donc place du Trocadéro, à qui j'avais écrit, et Le Roi Gourand m'a répondu. Donc il m'a dit que oui, il me prendrait comme élève, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis présentée chez Le Roi Gourand, il a dû voir un peu un énergumène quand il m'a vu entrer, donc j'étais pas, enfin disons que c'était un peu original, un peu excentrique à l'époque, mais ça s'est très bien passé, tout ça. Donc j'ai commencé à suivre des cours d'anthropologie, d'ethnologie, soit au Musée de l'Homme, soit je suis allée aussi plus tard, l'année d'après, au séminaire de Lévi-Strauss. J'ai suivi aussi plein de séminaires comme tout le monde à l'époque suivait. Par la suite, Foucault. Je suis même déjà allée à des séminaires de métro, comme vous pouvez vous rendre compte, c'est quand même quelque chose. Donc j'allais même au séminaire de Lacan. Enfin, on était, c'est pas toute seule, on était comme un mouvement, dans un mouvement de vague, on allait suivre. Donc on se cultivait, on apprenait à réfléchir aussi, à réfléchir beaucoup. Donc j'ai suivi ces cours, on faisait toujours un stage aussi en Normandie, un endroit qui s'appelait Tubeuf, où j'étais allée, où il y avait d'ailleurs des collègues qui sont aujourd'hui sur une photo que je n'ai pas trouvée, c'est très amusant aussi. Et j'ai terminé ma thèse de maîtrise en géographie, parce qu'il fallait que je l'ai terminé tout de suite en rentrant, donc en arrivant à Paris, ma thèse de Schaefferville. Et ensuite, j'ai entamé mes recherches l'année suivante. Donc, je suis revenue au Canada, parce que je m'en allais à la baie James, et sur une nouvelle subvention. Je suis allée cette fois à ce qu'on appelait Great Whale River, qui a changé de nom, et pour faire du terrain. Quand je suis arrivée là-bas, donc je ne sais pas si je vais trouver, c'était donc en 64. Donc je suis arrivée là-bas, donc il faut dire que je suis toute seule. J'ai toujours fait mes voyages toute seule, mes expéditions toute seule. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir aussi. Quand on est seul et qu'on voyage, les gens s'occupent de vous. Surtout si vous êtes jeune, une jeune fille ou un jeune homme, les gens vont s'occuper de vous forcément parce que ça les intrigue, etc. Si vous faites du terrain avec 2-3 personnes, vous restez 2-3 personnes parce que vous devenez plus gênant en quelque sorte. Comme je faisais mes voyages seul, les gens s'occupaient beaucoup de moi. Et j'avais planté ma tente, mais ça c'était avec l'aide d'étudiants du Centre d'études nordiques, parce que le Centre d'études nordiques avait commencé à s'implanter là-bas, entre les domiciles des Cris de Great Whale et les domiciles des Inuits. Alors c'était vraiment le plus mauvais choix qu'on puisse imaginer, de s'installer dans un no man's land. Alors ça, c'est les erreurs qu'on fait. J'avais une tente et puis à tout bout de champ, il y avait quelqu'un qui lançait des trucs sur le toit. Alors, je ne savais pas si c'était des Cris, des Inuits. Mais ça voulait dire « tire-toi de là ». Mais ce qui se passait vraiment, je serais restée. Mais ce que je trouvais intéressant, mais en même temps qui ne m'intéressait pas à l'époque, c'était qui commençait aussi, c'était l'hostilité qui régnait, non pas entre les Cris et les Inuits, mais entre les Canadiens français, les Canadiens anglais, donc les Québécois, les francophones, les anglophones. Il y avait des querelles qui étaient latentes, il n'y avait pas des gens qui se battaient à coups de poing, mais il y a des querelles latentes, donc qui créaient une sorte de drôle de vague, hein, sous-vague en quelque sorte. Et toi, quand tu es là-dedans et que tu... t'as pas envie de prendre parti, mais en même temps, c'est un peu embêtant, c'est pas très intéressant de sentir ça. Et après un moment, je discutais avec des gens et avec un pilote qui m'avait dit,
Why don't you go at Fort George? Parce qu'à Fort George, donc, qui était juste dans le nord de la baie James, me disait que c'était formidable, je devrais plutôt aller vivre là, ce serait beaucoup plus intéressant. Et entre parenthèses, quand j'allais dans le nord, j'ai beaucoup voyagé parce que les pilotes de brousse me donnaient des livres partout. Alors je suis allée dans la baie d'Ungava, le détroit d'Hudson, la baie d'Hudson. On a volé expressément au-dessus de trucs de voyons de. On me revient ça. On va arrêter, on va couper ça. Mais quand c'est pas bon comme ça, vous le coupez. Hein, quand on fait, vous le gardez pas. Alors vraiment, j'étais partout, donc c'était pas difficile, il m'a donné un livre, j'ai pris mes trucs, et puis je suis partie à Fort George, qui s'appelait Chesapeake à l'époque, Chesapeake Grand et Sipi Rivière, qui aujourd'hui s'appelle Chesapeake, la nouvelle communauté, mais c'est juste une question de phonème, de prononciation, là c'est la même chose. Et je suis arrivée là en fin de journée, parce qu'une fois que le pilote m'avait déposé, il ne s'occupait pas de moi, alors je n'étais pas responsable. Et je me souviens encore, j'étais assise au bord de la rivière, donc la Grande, une rivière extrêmement encaissée, hein, vraiment très très encaissée, en me demandant, bon ben là, qu'est-ce qui va se passer? Mais bon, je n'étais quand même pas inquiète non plus. Et puis il y a une femme qui m'a donné un coup sur l'épaule et qui m'a dit... comme ça, de venir. Et bon, les trucs ont démarré, donc, comme d'habitude, on va voir les missionnaires, on va voir les gens importants, on va voir d'abord le chef aussi, les chefs ou les sous-chefs, on doit se présenter. Et puis, là, on m'a prêté une petite maison, j'ai aussi une photo là-dedans, de la maison qui était la maison des chasses et pêches, c'était censé être la maison du garde chasse et du garde-pêche du gouvernement québécois. Petite maison, il n'y avait pas d'eau courante, puis il n'y avait pas d'électricité, mais qui était très chouette. On m'a permis d'y habiter. Et comme je ne voulais pas y habiter seule, j'ai envie d'être avec quelqu'un. Il y a une dame vraiment très, très chouette, formidable, qui s'appelle Edith Loutit. Qui était descendant des Loutites, mais de Cree, parce qu'il y avait à Chesapeake encore des Métis et tout, et qui était aussi lié aux Hérodiers, puisque il y avait son frère était Gaston, ou son cousin Gaston Hérodier, que j'ai bien connu à Fort-Georges, et dont j'ai une très belle photo de Gaston, qui est sur un coin de table, on dirait un titi parisien au coin d'un zinc, dans un café. Il est extraordinaire. Alors lui, il était donc le fils de monsieur Gaston Hérodier, qui avait travaillé pour Révillon Frères au début du XXe siècle, qui avait eu un enfant avec une femme Cree, et à son tour, Ernest, qu'on appelait Ernie, avait épousé une femme Inuk, et il avait aussi, me dit-il, connu Flaherty quand Flaherty tournait Nanook of the North. Donc, c'était dans vraiment l'histoire orale extraordinaire, tout à fait vivante. Donc, Edith, on avait deux petites chambres, donc Edith habitait chez moi, donc elle me racontait toutes sortes d'histoires absolument merveilleuses. Et puis, il y avait Ernie qui venait, Ernest, donc, qui venait, Rodier, qui venait à la maison. On jouait aux cartes, puis il y avait plein de gens qui passaient, on prenait du thé, on buvait du thé, vous connaissez tout ça. Puis comme j'adore les chiens, ben, j'avais trois chiens esquimaux, trois huskies, donc comme un genre de famille, et des chiens, vraiment, enfin, j'adore les chiens, donc je les nourrissais et tout, c'était les chiens de George Snowboy, le voisin, donc mon voisin. Mais les nourrissait, et quand je suis partie, j'avais vraiment mal d'avoir laissé le plus jeune que je considérais comme mon chien à moi. Mais à l'époque, il faut dire aussi que il y avait encore des périodes d'hostilité qui étaient en train de se créer. C'est-à-dire une période d'hostilité, une période aussi de familiarisation et de forme de domestication quand on doit domestiquer un espace. Je ne parle pas des animaux, des gens, là, comme on domestique un espace, etc. Et à ce moment-là, le Québec comme s'intéressait, ça faisait un moment, mais là, s'intéressait, voulait mettre sa marque
sur les communautés, dans les communautés nordiques. Et cette marque, ils devaient la faire malgré le fait que depuis des années, depuis très 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 longtemps, Ottawa y avait mis sa marque, à tel point que chez pas mal de cris de forgeurs où j'étais, tout passait par l'Ontario, donc passait par Ottawa, passait par Timmins, Ontario, puis moi je leur disais, mais non, we're in Québec. Ils disaient, non, you're wrong, we're in Ontario. Bon, maintenant j'avais une carte, vous voyez bien qu'on est là. Parce que quelque part, tout passait par Ottawa, par le fédéral, et non pas par le provincial, qui était une sorte de concept qui n'existait pas vraiment. Alors, ce qui se passait, c'est qu'il y avait quand même des petites formes d'hostilité par rapport à certaines personnes. Et il y avait un monsieur... Ah, il y avait un monsieur francophone, je ne vais pas prononcer le nom, mais qui avait décidé, lui, qu'il allait mettre des drapeaux du Québec partout. Alors, des fleurs de lys partout. Mais ce qui se passait, c'est qu'à Fort-Georges, c'était le drapeau de la compagnie de la baie du sang, non, d'un bonhomme, d'un petit bonhomme. Alors, pour moi, ça ne voulait rien dire. Pour les chasseurs, les cris, les Inuits, ça ne voulait strictement rien dire. Ça voulait juste dire quelque chose pour la compagnie de la baie du sang. Mais ça, tout le monde s'en fiche. Sauf que lui avait décidé qu'il fallait mettre des drapeaux. Des fleurs de lys partout. Alors il y avait devant la cabane des chasse et pêche une espèce de mât en hauteur dans lequel il avait mis un drapeau du Québec. Et puis en tout cas, il était tombé. On avait reçu la visée de la police montée. Mais il faisait beaucoup de problèmes parce qu'au lieu d'y aller mollo de façon diplomatique, il y allait de façon abrupte. Ce qui avait causé quand même des ennuis parce que lorsqu'à un moment donné, il y a eu des accidents. Les gens se disaient « Ah, it's because of this Frenchman. If the Frenchman had been here, nothing would have happened. » Alors, donc il faut toujours faire très, très attention. Mais autrement, cette communauté, je voudrais en parler peut-être après, parce que c'est une communauté qui était remarquable, comme les communautés, la communauté du lac John aussi, en ce qu'elle se démarque des communautés aujourd'hui contemporaines, qui sont peut-être mieux fabriquées de façon, pour les yeux, si tu veux, matériellement, mais qui ont, par rapport aux traditions qu'on pouvait trouver à l'époque, un changement très grand. Je voudrais parler de ça, puisqu'on doit s'arrêter, pour continuer sur cette affaire-là, parce que j'y tiens.